Donné à Jésus et cette fête instituée par Pie XI en 1925 continue d'étonner certains chrétiens. Pourtant, nous disons bien le Seigneur en parlant de Jésus. Mais peut-être ce mot s'est-il évalué, usé et n'y faisons-nous plus attention. Alors, aujourd'hui, reprenons conscience de la Seigneurie ou de la royauté de Jésus sur nous, sur l'Église, sur toute l'humanité et la création. Cette seigneurie de Jésus ne se manifeste guère dans la vie d'aujourd'hui, mais apparaissait-elle davantage durant sa vie terrestre. Et pourtant, Jésus était déjà roi dans l'étable de Bethléem, comme il était encore sur la croix, comme il l'est maintenant dans la gloire de son Père. L'essentiel, c'est que nous le reconnaissions, nous, ses disciples, en nous laissant animer par son esprit. Reconnaissons que c'est par le Christ et pour lui que nous sommes créés. En lui réside toute la plénitude. Nous sommes ses membres, c'est en lui seul que nous pouvons plaire au Père et être sauvés. Il est tout pour nous. Remercions-le de nous avoir appelés à participer à son royaume de lumière et de paix. En ce jour, nous célébrons aussi la patronne des musiciens, Sainte Cécile. Elle vivait en harmonie avec son roi et Sauveur Jésus. Nous aussi, vivons en harmonie avec le Seigneur Jésus et en accord avec nos frères, en accomplissant de notre mieux la sainte volonté de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, le Seigneur soit avec vous. Prépare-nous la célébration de l'Eucharistie. Implorons le pardon divin pour toutes les fois que le Christ n'était pas le roi de nos cœurs et de nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. Supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ta vie bien-aimée, toi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans les livres de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever le péché. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus de sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Au moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, « Cet enfant sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Nous nous rappelons également la longue marche des rois mages venus d'Orient pour rendre hommage à Jésus nouveau-né. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» demande-t-il à Hérode. Dans sa prédication, notre Seigneur parle continuellement du royaume de Dieu. Il dit, « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle venue de Dieu. » À la fin du monde, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Quand les Juifs amènent Jésus devant Pilate, ils disent, « Cet homme prétend qu'il est roi. » Par conséquent, il se dresse contre l'autorité romaine. De là la question de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes pour me défendre. » Il est clair que la royauté de Jésus n'est pas d'ordre temporel. Le Christ n'est pas venu pour instaurer un royaume terrestre avec des rouages économiques, administratifs et politiques. Il ne porte ni sceptre ni couronne. Il ne loge pas dans un palais. Il refuse même le pouvoir politique. Au moment où Jésus commence sa mission, Satan lui offre le gouvernement mondial. « Tout cela, je te le donne si tu tombes à mes pieds et si tu m'adores. » Jésus répond, « Retire-toi, Satan. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et serviras. » Il oppose le même refus aux Juifs qui veulent le proclamer roi après la multiplication des pains. En quoi consiste alors la royauté de Jésus? Il le dit à Pilate, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Tout homme qui croit à la vérité écoute ma voix. » De quelle vérité s'agit-il? Dans l'Évangile, c'est le message que Jésus est venu proclamer de la part de Dieu. « Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. »
Jésus ne dit pas tout homme qui possède la vérité, mais tout homme qui appartient à la vérité. Il y a une nuance. Que d'homme pense qu'ils sont seuls à posséder la vérité. La vérité, c'est ce que je pense et ce que j'affirme, car je suis sûr de moi et de mes idées. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan social, et c'est vrai aussi sur le plan religieux. J'ai ma vérité, j'ai ma religion. Tous ceux qui sont ainsi propriétaires de leurs petites idées n'appartiennent pas forcément à la vérité. Celui qui croit tout savoir est devenu incapable de se mettre à l'écoute des autres. Il est même devenu incapable de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas dix vérités, il n'y en a qu'une. Dieu seul est vérité. Seule la parole de Dieu est vérité. Personne ne peut posséder la vérité en dehors de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ceux qui prétendent tout savoir sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la religion, sur la vie, sur la mort, sur le monde, resteront toujours prisonniers de leurs petites certitudes et resteront toujours enfermés et resteront toujours fermés à Dieu. Ceux, au contraire, qui appartiennent à la vérité, ce sont ceux qui sont ouverts aux autres, ouverts à Dieu et toujours en recherche du message de Jésus. On peut même dire que la paix du Christ croit est la paix de tous ceux qui sont en recherche de vérité et de lumière et qui ont donc choisi de suivre Jésus-Christ. Jésus n'est pas un roi qui veut dominer l'homme, il est au contraire un roi qui veut libérer l'homme et l'élever jusqu'à sa propre divinité. Il ne veut pas régner sur nous, mais il veut régner avec nous. Il est venu parmi les hommes pour que les hommes puissent participer à sa divinité. Je sois à toi, Seigneur. Créateur du ciel et de la terre. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur la terre et dans les cieux. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Je crois au Fils de Dieu, Jésus. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés jusqu'à mourir sous la croix. Il est ressuscité, vivant, glorieux, à jamais, à côté du Père et dans les cieux. Je crois dans l'Esprit Saint, qui nous donne son amour, qui vivifie et anime son Église. Je crois dans l'Église une sainte catholique, apostolique et romaine. Je crois au pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En
cette fête du Christ, roi de l'univers, avec le bon larron, témoin privilégié de l'amour du Christ, roi du ciel et de la terre, prions en toute humilité et confiance. Pour l'Église, qu'elle soit le témoin de la royauté du Christ, en portant au monde le message de la vérité, de la justice, de la paix et de l'amour. Prions le Seigneur. Afin que le Christ soit le roi de leur vie et qu'ils disent au monde l'amour de Dieu pour tous les hommes. Prions le Seigneur. Et ceux qui portent la responsabilité de diriger le pays et les régions. Prions le Seigneur. Vivants et défunts de la chorale et de l'harmonie, et pour ceux qui se dévouent et ceux qui se sont dévoués au service de la paroisse et de la vie associative. Prions le Seigneur. Afin que le message de l'Évangile leur redonne courage. Prions le Seigneur. Afin qu'elle soit un lieu de vérité, de liberté, de service et d'entente locale, de fraternité, d'espérance et de paix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, dans nos pensées et nos actes, dans nos familles et nos communautés, dans notre pays, dans l'Église et dans tout l'univers, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, dès maintenant, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remet aux mains de sa souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous ceci, et mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul II, notre évêque Robert-Joseph, son auxiliaire Jean-Baptiste et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis de l'espérance de la résurrection, les défunts de nos familles, de nos parents défunts, les défunts qui sont dévoués autrefois à la société de musique et à la chorale, pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie ressoilée dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Odile, les 14 saints auxiliaires et les saints tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Amen. Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
jardin royal. Dieu vient à nous et se donne à nous dans la personne de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour s'est affirmé et continue à s'affirmer, omniprésent au cœur de l'histoire humaine. En communion, nous affirmons ce triomphe du bien sur le mal, du Christ qui a triomphé du péché et de la mort. Demandons-lui que sa royauté s'affirme réellement en nous. Renouvelés par l'amour de Dieu, nous pourrons alors triompher du mal et connaître la plénitude du royaume. Heureux mes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Je serai guéri.
Seigneur, après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au chrisme de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.